Quoi, elle a été embrassée par erreur, elle aussi? Lucille. C'est bon, on sait que c'est elle, le Lican. Ce soir, on dit son nom, elle était dans la salle de bain avec toi, les mains pleines de sang, ce sera plié, on sera libre. T'as vu quoi, au juste? Moi au sol, elle, elle était là, on avait tous les deux du sang. Ça se trouve, le Lican, il a essayé de nous attaquer tous les deux, il a pas pu, et donc... Pourquoi tu la défends comme ça? Parce que depuis qu'on est arrivé, on n'arrive pas de se retourner les uns contre les autres. On oublie qu'on est tous les victimes de cette malédiction. De toute façon, la menace, c'est à cause d'elle. C'est Aurélie, la fautive. Chérie, je veux pas que tu deviennes ce que tu n'es pas. Accuser quelqu'un à tort, sans preuve, sous le coup de la colère, t'es plus intelligente que ça. Promets-moi qu'on s'en tirera d'ici en vie, s'il te plaît. T'inquiète, j'ai plein de projets pour nous. Hey, Mel, ça va? Tant mieux, je suis rassurée que... Chut. Que quoi? Tu n'es pas ta dernière victime? Oh, Lucille, s'il te plaît. Ferme-la, Aurélie. Non, sinon fais-toi. Lucille, calme-toi et tes chats, s'il te plaît. Non. Bref, j'ai trouvé un plan pour tout à l'heure. On cite le nom de personne, vraiment, et aucun d'entre nous ne mourra. Quoi? Et on sauve la menace? Oh, non, je suis pas d'accord, ça devient évident quand même. Le soir où Alexis est mort, c'était elle qui était avec James, ok? Et là, comme ça, d'un coup, elle sort qu'ils se sont embrassés? C'est bon, je suis pas d'accord, et là tu la retrouves avec Aymen dans la salle de bain à deux doigts de mourir! Mais putain, il est pas mort! Et t'as fait pas grâce à toi! Mais fille, s'il vous plaît! Je vais garder! Tant que vous n'aurez pas corrigé votre erreur, le prix de votre réflexion sera une horrible douleur qui vous consumera de l'intérieur. Dès que l'un d'entre vous aura cité son nom, vous tomberez tous dans un sommeil profond.
Patricia, je viens de lire votre rapport. Oui. Cette histoire de malédiction, de lycan, vous êtes bien consciente que je ne peux pas présenter ça à ma hiérarchie. Ça n'a aucun sens. Que ça n'ait pas de sens pour vous, je peux l'entendre. Mais si cela a un sens pour la victime que j'interroge, c'est l'essentiel. Mon objectif est de comprendre cette histoire et de déterminer le lien entre ces disparitions. Vous savez qu'il y a un présumé meurtre dans cette histoire. Rien que pour ça, vous devriez être sur place. Et on fait comment sur les coordonnées? Ça, c'est mon rôle. Laissez-moi avoir le fin mot de cette histoire et nous irons sur place. Inutile d'attendre la fin de la journée pour que ce jeu puisse prendre fin. Le lycan, veuillez le nommer afin de vivre libre votre lendemain ou de souffrir vos entrailles dévorées.